Ok, on va passer à ça. Le Loot Fabricator de DeepMob Learning. Parce que depuis le temps quand même que je veux le faire. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Le Scott Covered. Est-ce qu'on a... Non, donc il nous faut de l'obsidienne. Scott Covered, obsidienne. On en a encore. Oh oui. Ouais, ça va. Ça va, on avait anticipé quand même ce truc. Voilà. Et on peut faire donc un Loot Fabricator. Le Loot Fabricator est fait. Est-ce qu'il y a besoin de redstone, lui? Oh non, il en a... Quoi? Il n'a pas besoin de redstone? Enfin, il n'a pas besoin de RF. Alors, il faudrait que je vois un peu. Ah, j'ai pas vu. Ha! Ah, il est... ah, c'est trop bien. En plus, il me l'a fait avec mon slip. Je suis comblé. C'est terrible. Bon, alors. Le Loot Fabricator. Voilà. Effectivement. Par contre, si je commence à relier ça ici, je pense pas qu'il va aimer. Le RF, jusque là j'étais gentil avec lui, mais là je crois qu'il va commencer à être en PLS lui. Hein. Non, ça va, il tient bien. Et voilà, je veux des lingots. Ok. Donc le Loot Fabricator il fait ça, ok. Là il y a Simulation Chamber. Elle, il nous manque des enderpearls. Alors Gigi, ça va les enderpearls? Bah je trouve pas de... De fleurs à Ender, ce que tu me disais là. Ouais, peut-être pas. J'ai regardé ce que tu fais, non. Je vois plein d'Enderman, ça y a pas de problème. Mais Ah, pas de fleurs. En fait, là, l'idée ce serait de mettre des autocliqueurs par-dessus les plantes et de mettre des hoppers en dessous ou un vacuum et on récupérerait directement des Enderpearls en fait sans problème. Peut-être à un moment je vais craquer, je vais le faire. Hein. Bravo Gigic, t'es trop fort. Oh, t'as triché. Tu lui as mis une vraie patate dans sa face, il a rien compris. Mais non, mais en même temps, j'ai une pauvre épée en diam, c'est la misère, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? De créer des pristines, cela peut faire des échanges d'énergie, les clés spéciales du mode. Ouais, bah voilà, bah, c'est ça que je veux. C'était créer des pristines avec les machines. Et puis de toute façon, on a déjà des data qui sont montées au maximum, donc on va pouvoir faire de bonnes simulations. La simulation de chambre, voilà. Hop, ça c'est fait. Donc maintenant, voilà, il va y avoir la pressing. Il va falloir que je crée une sorte de plastique, là. Je suis en train de foutre des machines partout sur les câbles en mode bas les couilles. Insert data model to begin. À savoir... Ah ouais, attends, faut que je regarde un truc. Simulation chamber, voilà. Alors, il faut de la polymère clay. C'est vrai, ça. Et alors, à chaque fois que tu augmentes, en fait, ça a plus de chances d'obtenir de la pristine. Donc ouais, tout est lié, d'accord. J'ai besoin de polymère. Gigi qu'elle est en train de ban des Enderman. Ouais, mais il me donne pas de perles. C'est pas cool. Launching time, run time, 1.4.7, iteration 1, started. Tout ça pour ça. Incroyable. Donc là, on a, voilà, le premier achievement. Et alors, l'overrun matter, donc le matter, en fait, lui sert à faire... Oh, ouais. Oh, tu peux automatiser des trucs pour... Oh la vache! Ah ouais, mais c'est vachement bien ça! Ah ouais! Oh. Oh, ah ouais, tu peux me faire te faire un truc comme ça avec du Hellish Matter si t'en as envie. Enderman. Ah ouais, mais le Matter c'est grave violent en fait! Waouh! Attends. Tu reviens, je débute. On va prendre de la Netherrack là vite fait. Vas-y, je vais faire un petit craft en même temps. Parce que du coup, on peut le faire. Hop, 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 hop. Puff! Hellish Matter. Mais attends, ah ouais, mais c'est lourd ce que ça produit. L'arme de Ghast, Blaze, Nether Ward, oh là là, mais... Oh, ah ouais, non mais c'est insane en fait, ce que tu peux faire tout ce que tu veux là. Vache. Et du coup, ouais, parce que là, il faut les matteurs de tout, donc le dernier matteur... Donc c'est le matteur qui va s'utiliser, parce que du coup, lui... Ah oh ouais, non mais c'est génial, tu... Oh, oh là, le feu. Et donc là, ouais... Si on récupère le matter, lui... Ah oui, qui a eu plus carrément de te faire une Nether Star avec. Oh ben c'est génial. Et c'est formidable. Et donc ça, tu le récupères à partir d'Enderman, Wither, Ender Dragon, Shulker. Ah ben j'ai un Shulker.
C'est vrai que j'ai un Shellcore Data Model, moi. Donc là, par exemple, on imagine, là, on s'arrête. Calme-toi, Billy. Please insert basic model or better. Et il m'en faut plus. Attends, on va sortir une data d'Enderman vite fait, et puis voilà, ce sera réglé. Et miniaturising fait ouais. Projecteur, tu en as besoin de combien? 4. Bah, ouais, 4 en dit... une fois, t'en as 4. Ah, par contre. Ah, en une fois, t'en as 4? Ouais. Oh bah, super. Je savais pas que le craft en donnait 4, mais c'est bon alors. Ça m'a pas consommé la Game Boy, par contre, c'est bizarre. On va attirer tout le monde parce que j'ai la flemme. The end of all matter, voilà, bah ça donne du matter en même temps, c'est très bien. Un peu mal aux oreilles, hein. Ok, on est passé au basic tier. Ok, parfait. Alors, maintenant qu'on a la data, ça, on a pas mal enchaîné les achievements, là. Ça va vite. Je termine juste mon petit achievement, et du coup, on va passer à toi juste après. C'est très bien, parce que du coup, tu m'aides dans ma quête de production directement. Là, donc, parce qu'en fait, ce que je te fais faire, là, c'est pas inutile du tout. Tu vas voir. Bah, ça me fait apparaître une flèche sur le sol. T'inquiète, tu vas voir. C'est normal, d'accord. Et voilà, l'extraterrestrial, du coup... qui est farmé aussi. Ça a pas l'air de demander beaucoup de RF en plus. Ça va. Ouais, on en demande un peu quand même. Quelque chose à pouvoir avoir plus d'énergie. C'est-à-dire que là maintenant, ce qui est bien, c'est que on va pouvoir utiliser ces trucs-là pour craft plein de choses. C'est formidable parce que par exemple, le slime, Gigi, qu'elle en a fait. Regardez un peu. Pour faire des Ender Pearl, en fait, tu te rends compte que Caillou et Gigi, qu'ils ont déjà participé au faire des Ender Pearl. Et les Snowballs, il y a une machine qu'on va pouvoir faire bientôt. Il va servir. Il nous reste juste la pristine de Ghast. Faut que je prenne un data model de Ghast et celle du Wither. Mais bon, déjà là c'est pas mal. Bonjour Gigic. Bonjour. Alors, jusque là tout ce que tu as accompli, eh bien servait à faire quelque chose d'important. C'est à compacter quelque chose. Alors, est-ce que tu peux me passer ce que tu as fait? Alors, tiens. Voilà. Donc, on a... les fils projecteurs. Alors, il va falloir qu'on les place quelque part, d'ailleurs. Peut-être que... Est-ce que tu peux me passer une Personal Shrinking Device, Gigic? La petite Game Boy. Ah, je les ai mis dans la E. Ah, dans la E? Ok, bah je me sers alors. C'est bon. Ce que tu nous as fait, là, en fait, va permettre... Voilà. Quand on clique dessus, Compact 3 Machine, Allow you to build Complex Machine Controller. Voilà. Miniaturization Crafting. Voilà. On voit ici le craft. Pour crafter les compact machines, vous allez avoir besoin d'un setup de miniaturisation pour crafter les structures. Utilisez 4 miniaturisations de fil projecteur que tu as fait justement et placez-les hein, à l'opposé de chacun avec 7, 11 ou 15 d'espace entre eux. Ils ont tous besoin d'être en face du centre, hein, chacun d'eux. Une fois placés correctement, ils vont commencer à émettre une sorte de fil de miniature. On va se faire un petit truc comme ça, tu vois, ouais. Alors, je sais pas quelle taille ça doit faire, est-ce que ça doit être énorme ou pas? Parce que plus c'est énorme, plus on a des trucs violents. Je vais peut-être essayer de faire du 3x3 en attendant. Je sais pas trop encore. Faut que ça fasse 7, il faut qu'il soit espacé de 7 déjà. Bah, pas forcément en fait, c'est que t'as des variations de taille, c'est juste un exemple là-dessus. Si tu veux là-dessus. C'est que là on a du 7 effectivement. 7, 8, ouais c'est du 15 ici. Bon, on va faire un truc qui est pareil. Dommage que j'ai pas de building wand. Parce que mis à part le building wand qui permet d'étendre mon truc, j'ai pas de truc pour crafter en masse. Je sais pas si on en a. Ah bah si, le building gadget, je suis con. Hop là. Alors, building gadget. Attends, quoi? Comment il s'est chargé, lui? Pourquoi il s'est chargé direct? Ah ouais. Marche bien le wireless, effectivement. Mais alors... Ah ouais, du coup, il se craft au fur et à mesure, là? Ah ouais, ça remplit. Qu'est-ce okay. Qu'ils foutent là, les under? Ah, est-ce qu'il faut de... Il faut de la... Il faut de la lumière. Le squelette s'est suicidé en me tirant une flèche dessus. Donc maintenant qu'on a fait ça selon le modèle, donc là... Missing Field Projector. Ah, voilà. Ok, donc... invalide bloc, fin, area 22, 64, 43, cobblestone. Ah, faut les surélever. Ah, d'accord. Ok, mission surélevage. Ah. Mais... Je clique droit. Dark Larage. Qui doit être là. Ouais, non, mais alors du coup, j'ai fait mon truc de 15 par 15, mais du coup, il le prend pas en compte pour du 15 par 15. Alors du coup, l'idée, c'est... Non, ça ne me va pas. Parce que si on a fait une... C'est moi
voyez, il y a pas mal de trucs qui ont paru là. J'ai envie de mourir. Ah, j'ai vu la plateforme disparaître sous mes yeux. J'ai vraiment envie de mourir. Tu les as récupérés ou quoi? Ah bah oui, je suis aimanté. Quoique, je sais pas si j'ai pu tout récupérer. Il y a des trucs qui tombent sous toi, en fait, depuis tout à l'heure. Ah bon? Là, ça s'est arrêté, mais c'est comme si tu pleuvais de la pierre. Oh putain, arrête de les jeter aussi. Ah oui, d'accord. Donc, là, on est bon. Ouais, il dit ok. Alors là, il dit ok, mais le problème, c'est qu'avec les 7, d'accord, c'est pas vraiment du 15. J'ai l'impression de ne pas utiliser le max de la zone. Nous, on veut maxer direct. Si on veut maxer direct, on prend la résolution. On voit tout en grand. Voilà. Et là, voilà. Ah oui, d'accord. Ça manque de taille. Ok. On va rajouter ici. C'est pas grave. 21, 64, 42. 5. Bon, 5. Bon, je mets 5 au cas où, parce que j'en ai marre. Oh putain. Ah. Il y a un moment donné, ça s'arrête quand? Ouais. Ah, ils ont un schéma et tout, mais c'est vrai que tu sais pas. Enfin, c'est un peu difficile de déterminer le truc direct. Après, enlève la cobble dessous. Ouais, bah j'attends de voir déjà qu'ils me disent que c'est ok, mais. Ah! Ah! Magique. Ah, j'arrive. Hop, j'étais en train de faire la cueillette des carottes. Ah oui, d'accord. Okay. Je pense des choses. Ouais, donc de 2 blocs. Donc en fait, je suis monté de 3 et c'était bon. Bon, au moins. Au moins, c'est bon. Ok, donc on a fait ça. Super. Alors, c'est à ce moment-là que je dis. Et après? Mais en fait, la Game Boy, on en a tous besoin pour pouvoir s'en servir. Pour rentrer dans les compact machines, ouais. Ouais, donc il va nous en manquer une, parce qu'on est voilà, 5. On peut faire du Black Iron avec. Ok, parfait. Oui, non, mais t'inquiète, c'est pas pressé pour l'instant. Déjà, je fais des expérimentations parce qu'il va falloir qu'on fasse un. Ultimate Catalyst et Crystalline Catalyst, d'accord. Tiny Compact Machine. Ah ouais, mais pas du tout. J'étais parti pour faire autre chose. Le mec. Chose Extended Crafting qui a aucun rapport. Refaire du Black Iron, tout ça. Ouais, alors mec, calme-toi en fait, parce que c'est pas du tout ça. Tu fais quoi là? Arrête. Le cube orange. Bah non. Oh, j'avais pas vu ce que t'es... Oh. La couleur. Est-ce pas mal ça, hein? C'est rutilant. Oui, mais j'ai pas assez d'émeraudes pour finir. Et d'ailleurs, il est pas aussi... Pourquoi tu le fais? Mais... Pourquoi... Ah non, mais tu peux pas faire ça, Caillou. De quoi? Non, mais il faut mieux qu'il soit aligné, là. On va pas le mettre décalé comme ça. J'ai pas la place, et votre octogone à la con, là. Bah justement, on va péter l'octogone. Ah, mais t'aurais dû me demander, parce que c'est vrai que... Parce qu'on va pas le laisser comme ça, c'est pas possible. Ok, Caillou, sinon on fait un autre truc, effectivement, et quelqu'un qui suppose aussi, Iraga a raison, on peut faire un étage. Alors là, je vais t'aider si tu veux, je te fais un shift. Est-ce que j'ai l'élément et tout, ouais, parce que... C'est bon pour toi de refaire un étage par-dessus ou pas? Bah, j'ai pas du tout les blocs, mais sinon oui. Ah non, mais on va récupérer ces blocs-là. Bah, prie. On va faire au fur et à mesure. On va récupérer les petits blocs comme ça que je sois sûr. Ça déjà... Ah, parfait, tiens, je vais te les rendre. Tiens, Caillou. Je les mets... Ah oui, non, mais c'est vrai que j'ai un aimant sauvage, mais au moins ça m'évite de pas les perdre. Hein ? Je pense qu'il faut... Au moins t'aurais gagné du temps. Voilà. J'avais désactivé l'aimant. Heureusement. Heureusement en fait les trucs sont rassemblés en stack. Donc t'as tout récupéré. On est d'accord, t'as tout ce que t'avais? Bah j'en sais rien, je sais pas combien j'avais de stack à la base. Oui oui, heureusement. Hors excavation les rassemble sur toi, donc ça va. Parce que ça en fait ça va servir à construire le délire. Ouais mais il faut des... Ah, faut juste que je... C'est là-dedans qu'il faut que je jette les trucs? Pourquoi tu prends pas ton building gadget? Parce que je sais pas m'en servir, c'est très bien comme ça. Bon, d'accord.
Ouais, ok, c'est ce que je viens de comprendre, d'accord. Tu prends un bloc de fer, alors attends. C'est pas hyper explicite leur truc, je trouve, mais bon, ça se trouve, hein, au bout d'un moment. Redstone. Mais ouais, je viens de voir un peu. Donc, on prend la redstone. Donc, pose le bloc, alors, j'imagine, au centre. Comme ceci. Avec la redstone, et on jette une redstone. Ou on la jette dessus. Comme ça. Bon, bah, t'as pas tout récupéré. Ah ouais? Mais. Ah, faut sortir du champ puis lancer. D'accord. Ok, je sors du champ. Oh! Oh, terrible! Oh, c'est ouf! Putain! C'est génial ce truc! Putain, j'adore! Ce mode, je le connaissais pas du tout, mais comment il est trop bien! Et en fait, c'est quoi que tu lances? Là, je suis en train de créer en fait des blocs de murs. C'est-à-dire que donc, je mets de la redstone, simplement. C'est une des recettes en fait qui permet de créer les parois qu'on utilisera dans les futures dimensions de poche. J'adore. Pouf! Je vais commencer par la petite, voilà. Là, il m'en faut 26. Donc là, il faut que je fasse. Donc là, il faut que je mette 26 blocs. C'est pour ça qu'il faut que la taille de la truc soit grande, sinon tu peux pas créer ton truc. J'en ai bien 26 là? Alors voyons voir. Ah non, c'est ça, il manque un bloc là. Ah, c'est un 3x3 vide. D'accord. Ouais, je pensais que l'ordre n'avait pas d'importance. C'est pour ça. Ok. 26 quand même ça, voilà. Oui, évidemment, oui, ça paraît logique. Oh. C'est trop bien. Des expérimentations de folie. J'adore, le principe est trop stylé, quoi. Ça donne beaucoup de sens au truc. Et on a créé une Tiny Compact Machine. Hé, Gigique. Oui. Je vais te faire... Tu vas avoir un nouvel emménagement chez toi. Ah, d'accord. Ouais, une nouvelle pièce. Tu pourras y mettre tes plantations. On va la mettre l'air de rien ici. Ok. Gigique, clique droit avec ta petite console sur le truc. Parce que ce soit toi qui l'utilise. Voilà. GG, on a un achievement. Du coup, oui, il y avait l'achievement aussi. De Compact Your World. Oh. T'es rentré, toi? Ah, moi, je suis rentré, ouais. Salut. Voilà. Et ben désormais... On va mettre la lumière. on est désormais chez toi. Ça, tu peux mettre des petits trucs dedans, si tu veux. C'est ta petite chambre portable. D'accord, ok. Et si tu veux qu'elle soit plus grande, tu fais comment? J'en étais sûr qu'elle en voudrait pas de sa niche. Ah. Bon. Ah non, oui, mais je vais pour en faire les plantations, c'est un peu petit. Oui, je vais t'en faire une plus grande. C'est une expérimentation là pour voir un peu. C'était. Ouais, pas de soucis. Mais ouais, c'est nickel. Non, mais je vais te faire et un truc en plus sortir... grand. Clique okay, droit avec ta console. Non, en fait, tu peux plus sortir, adieu. Tu es condamné. non, c'est bon, j'avais déjà cliqué. Pourquoi j'ai un gâteau? C'est normal, c'est le gâteau pour le retour, c'est l'achievement en fait. Le gâteau, tu peux le jeter ou le mettre ailleurs. Bah, on peut avoir des trucs plus grands. Et là, on a une 9x9. Et après, 11x11. 98 blocs. Ah ouais. Ok, Gigi, je vais tout faire. Maximum compact machine, ça c'est une 13x13. Bon, en vrai, un bloc d'émeraude, 98. On fait une maximum. Non, mais ça peut être une bonne pièce pour les coffres, ça. Ouais, tu peux privatiser et mettre une whitelist, blacklist, voilà. Tu vois, Axel l'a dit, donc... Ah, t'es évanoui. Ouais. Ça y est. Bah. J'ai mis un coup dans mon micro. Parce que 3x3 du coup, ouais. Ah merde, 5x5. Ah oui, je me disais aussi. Ah. Chut, ne dis rien. Je n'ai rien dit.
Sérieux, quoi. Mais putain, mais c'est pas possible, quoi. Je tape juste le truc du dessus, il a tapé les deux. Pourquoi il a tapé les deux? Hop, voilà, comme ça. Et comme ça. Donc l'émeraude est là. Caillou, j'ai besoin d'un bloc d'émeraude. Là, je suis en train d'en faire. Ah, mais il y a des blocs d'émeraude, là. Serre-toi, Caillou, si t'as besoin. Ah, je vais regarder. Il y en a 87. Sûrement un stock que je vous avais fait pour vous. Non, c'est moi qui te les ai volés. C'est moi qui ai fait un stock. Tu nous as pas fait de stock. Ouais, il me semblait vous en avoir donné un petit peu. Non. Nada. T'as pas dû regarder. Rien. Ah si, j'ai regardé justement parce que à chaque fois j'ai des crèves qui ont besoin d'émeraude. C'est le moment où je t'ai dit, mais tu voles tout, c'est pas possible. Voilà, et là du coup, on peut enfermer le truc avec le bloc d'émeraude au centre. Parfait. Le compte est bon, Marcel. Pour une maximum chamber. Il nous faut une enderpearl. Et c'est parti pour la plus grosse chambre compacte. Alright. Alors. Yes. Bon, Rugic. Oui. On l'a aménagé et la niche s'est transformée en un énorme manoir. On va aller aménager ça. Je te laisse rentrer encore parce que c'est ta future maison. Chou, dis dessus, hop là. Je vais rentrer avec cette console. Wow. Ah. Bah voilà. Bien mieux. Hein. C'est on va faire des étages. Des étagères. Ouais, on va faire des étagères partout. Voilà, terrible ça. Super. Bon. Et c'est ainsi que s'achève l'arc aussi des compact machines, on fait des chargeurs, etc. Qui nous seront utiles par la suite. Bon, bientôt il va falloir qu'on ait des productions d'énergie plus importantes, parce que plus ça va et plus on a des demandes en énergie qui sont lourdes. Bon, c'est bien parce que c'est un deuxième mob spawner qui va servir pour d'autres choses, fait entièrement en émeraude, qui est l'objectif de Caillou. Donc voilà, il nous l'a fait entièrement en émeraude, c'est beau. L'objectif full émeraude. Je veux que tu mettes du vert dans ma vie, Caillou. Bon, ça pique un peu les yeux malheureusement, mais bon. C'est quand même plus sympa que l'émeraude basique, quoi. On va s'arrêter là, parce que comme d'habitude, si on progresse trop, les vidéos n'arrivent pas à jour avec les lives. Bientôt un stockage amélioré pour les bonsaïs, il va falloir aussi, ouais. Il va falloir. C'était quoi déjà? C'était les Feeling Cabinet. Feeling Cabinet, comment ça fonctionne ce truc? Attendez, je check vite fait. Ouais, voilà, ok. Et donc il nous faut des dossiers, donc c'est Real Feeling Cabinet. Et c'est juste du papier? Quoi? C'est tout? Attends, moi qui me suis pris la tête pour rien là? Attends. Faut le remplir avec quelque chose? Faut le crafter avec quelque chose? Genre je dis tiens, je mets une Nether Pearl. Ah. Ok. Donc, imaginons. Et du coup je peux choisir ce qui va en sortir. Ça contient combien un fichier? En plus dans le milliard? Dans le milliard? Un seul dossier? Et ça, tu peux le mettre juste en dessous d'un bonsai pot et ça marche. Donc je peux mettre plusieurs dossiers dedans pour dire bah, je veux les accorner les trucs. C'est exceptionnel. Il va falloir que je pète ça par contre. Ouf. Ah oui, yes, c'est bien ça. Donc du coup, je peux mettre tous mes dossiers là. Je peux dire par exemple, voilà, ça aussi en fait partie. Et par contre, je mets pas le bois, comme ça on évite d'avoir 15 millions de bois. Je prends un dossier. Mais non. Je prends un dossier avec ça. La résine. Hop. Je le mets dedans. Voilà. Un milliard d'items. Mais putain. Bah c'est sûr que là on serait refait. Hein. Mais quoi? Mais c'est totalement cheaté en fait. Ah oh, mais c'est génial. Bon par contre on peut pas les récupérer comme ça. Hein. Là il faut qu'on ait un truc qui tire dessus. Il faut un extra câble ou pas pour ça? Mais c'est génial ça. Ah ouais non mais... Oh, depuis le temps qu'on en parle de ce truc là. Ouais d'accord je comprends. Mais moi je pensais que c'était technique qu'il y avait un truc. Parce que tu vois ce genre de truc. Un fichier qui donne 1 milliard. Je me disais qu'il y aurait des upgrades chers et tout. Le truc il se fait avec 3 bouts de papier et c'est fini quoi.
pas mal de choses, t'as du bois et des bâtons. Ouais, bah justement, parce que là, en fait, chaque dossier a un item, et là, j'ai mis deux dossiers, et quand tu cliques dessus, tu vois qu'il y a les acornes et la résine, et c'est tout. Donc en fait, d'accord. Alors, je peux mettre les leaves après si on veut, mais bon, c'est pareil, les feuilles, on n'a pas vraiment besoin. Maintenant, les feuilles, moi, je les jette, on n'en a pas besoin du tout, même. Bah non, c'est pas si chiant que ça, mais c'est juste qu'on puisse tout de suite les relier à la E, ouais. Mais après, dans la E, ça va pas les former, ça va juste nous mettre les acornes et tout ça. Mmh. Après, ça sera à nous, dans la E, de récupérer la résine. Après, ah oui, non, mais on va prendre un compacteur, on va prendre des trucs pour les compacter, je sais pas comment on peut faire ça, mais... Et ce dossier, tu... Ah... Ok. Tu peux récupérer ça comme ça. Et voilà. T'es dans la maison portable. C'est mon prochain objectif demain, pas demain, mais la prochaine fois qu'on fait un live production, faut que j'y pense, mais ça va être le premier truc à faire. Mettre des fines cavités partout, mais voir aussi comment je peux crafter les choses. C'est-à-dire, si on peut directement farmer qu'on ait des blocs d'umber, etc., au lieu d'avoir des acornes qui tombent, genre que les fines cabinets, ils aient ça, c'est cool, mais après, est-ce qu'il y a moyen d'en tirer ça par des tuyaux et qu'ils fassent les crafts? Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé du coup cet épisode. C'est terminé pour YouTube. On fait la fin. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu, activer les notifications sur la cloche évidemment pour rater, parce que sinon vous ratez les vidéos. Hein. Je vous le dis, c'est raté direct. S'il n'y a pas les notifications, vous n'avez pas de vidéo. Vous avez également le Discord évidemment qui le mentionne tout le temps, Twitter évidemment sur les réseaux sociaux. Si jamais vous pouvez avoir du coup les notifications, les lives tous les soirs 21h, 22h, comme toujours. Hein. Vous avez le lien dans la description évidemment. Comme pour tout, merci encore pour votre soutien sur Utip. N'hésitez pas à continuer, ça m'aide énormément. Ciao à tous, des bisous et à la prochaine les amis. Ciao, bye bye.